Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel. Cette fois-ci, je dois vous présenter la box Medium du mois de février. Une box vraiment bien remplie avec des super produits. Et vous allez voir, vous allez plutôt apprécier. Notre objectif dans ces vidéos, c'est pas de vous montrer comment ramener votre leurre simplement. L'objectif, c'est de montrer comment animer les leurres qu'il y a dans les box. Vous allez me dire, ça me paraît simple, ça me paraît basique. Mais en fait, certains n'ont pas compris. Donc l'objectif vraiment, c'est de vous montrer comment animer les produits pour faire un suivi de ce qu'il y a dans les box. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au Tantra Vibe de chez Sakura. Donc c'est un leurre de type vibration ou alors lipless. Tout simplement, il a une petite attache en haut. Donc il va nager comme ceci et émettre de fortes vibrations. Ce leurre est utile pour pêcher le brochet, la perche, le bass et aussi tous les poissons. Je sais que le Sandre aime bien aussi ce genre de leurre. Au niveau des coloris, on a mis plutôt des coloris vraiment très sympas comme celui-ci. Il a des billes dedans pour émettre des vibrations et appeler le poisson d'assez loin. L'objectif, c'est de faire du power fishing. Qu'est-ce que c'est le power fishing? C'est tout simplement battre énormément de terrain. On l'a aussi couplé avec un autre leurre qui était disponible. C'est le CSB de chez Sakura. Donc certains ont eu le Tantra Vibe, d'autres ont eu le CSB. Ça dépendait bien évidemment des stocks. Allez, on passe tout de suite à l'animation. Alors c'est un leurre de provocation, c'est ça qui est intéressant, ça va faire bouger des poissons qui sont même léthargiques. Et effectivement, on va pouvoir battre énormément de terrain et provoquer du poisson. Donc l'objectif, c'est très simple, c'est faire du cranking. C'est exactement comme un crank. Vous allez faire canne plus ou moins haute, ça dépend de vous. Et vous allez pouvoir ramener en linéaire, en cranking, plus ou moins rapidement. J'aime bien aller assez vite, justement pour imiter un poisson qui fuit et émettre énormément de vibrations. Alors c'est très prenant, même en hiver. Vous avez vu, là, on a dû se mettre dans un étang privé parce qu'effectivement, c'est la fermeture et on ne peut pas se permettre de pêcher en deuxième catégorie ni en première catégorie. Donc du coup, nous sommes dans un petit étang privé. Allez, je vous remonte une dernière fois une animation qui peut être aussi très sympa, surtout quand vous avez un peu plus de fond. C'est de faire du stop and go. Donc je vais lancer mon leurre, hop, je vais attendre qu'il coule un petit peu, je vais ramener et je me stoppe mon animation, je vais ramener et je stoppe mon animation, etc, etc. Et ça, c'est du stop and go et ça fonctionne vraiment très très bien. Pour le deuxième produit, c'était le Buck Twin Pike. C'est tout simplement une cuillère avec deux palettes avec un petit pompon derrière. Il y avait différents coloris. Alors ce leurre là, c'est tout simplement un leurre de chez Peson et Michel, marque très très connue, et c'est un produit qui fonctionne très très bien pour tout type de pêche, notamment pour le brochet. C'est effectivement la gamme brochet de chez Peson et Michel, mais vous allez pouvoir prendre aussi de la perche, pourquoi pas du Sandre quand ils sont bien actifs, et du black bass. Donc pour l'animation, ça va être exactement pareil. On a vraiment décidé de mettre des produits qui sont faciles d'utilisation. Là, ça va être du cranking pur et dur. Vous lancez. Donc selon la profondeur, vous comptez 1, 2, 3, peu importe. Et là, vous ramenez. Et vous allez sentir dans la canne que ça tire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça va émettre de fortes vibrations. Et ça aussi, c'est un leurre de power fishing. Vous allez pouvoir battre énormément de terrain. Et ça va amener et ramener le poisson d'assez loin. Ah, ça émet vraiment des grosses, grosses vibrations. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et derrière, le petit pompon va aussi faire office de quelque chose qui va attirer l'œil du poisson pour pouvoir mordre dessus. Allez, on re-essaye une dernière fois. Hop, pareil. Wow, ça tire vraiment sur la canne. C'est un truc de ouf. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle va rester un petit peu juste subsurface. Ça veut dire qu'elle ne va pas descendre en dessous de 50 cm quand vous allez ramener. Mais bien évidemment, si vous voulez aller pêcher un petit peu plus creux, vous allez pouvoir la laisser descendre. Voilà. Super, un petit hélicoptère à poissons. Ensuite, on vous avait posé la question la dernière fois pour savoir si vous souhaitiez toujours des têtes plombées dans les box. Et on vous a écouté, on a mis les Ilex Eevee Straight Jig Head. Ce sont des têtes plombées un petit peu spéciales. En fait, vous n'allez pas piquer votre leurre directement sur la hampe de l'hameçon, mais vous avez une petite hampe qui est juste derrière ici, qui va vous permettre de piquer le leurre sans trop le déchirer et aussi de lui laisser vraiment beaucoup beaucoup de liberté pour nager. Nous avions aussi mis les talions en 10 voire en 13 cm, ça dépend du packaging, avec des coloris plutôt intéressants, celui-ci un petit peu chartreux. Pour cette saison, c'est pas mal. Allez, on va passer à l'animation. Cette fois-ci, nous allons essayer de faire un petit peu du stop and go ou du dancy.
Donc on lance notre leurre, on va prendre contact avec le fond et cette fois-ci on va mettre notre canne un petit peu à 11h, 11h moins le quart, ça dépend comment tu vois. On va prendre contact, fil tendu et on va faire des animations. Allez, on fait une petite animation et on les laisse redescendre. On fait une petite animation et on les laisse redescendre. Le talion est hyper souple, donc c'est ça qui va lui permettre d'imprimer une nage très facilement. Et là, vous êtes en 10 grammes, donc normalement, ça va le faire vraiment très très bien. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de raser le fond, d'imiter un poisson qui va descendre, facile à prendre pour le carnassier. Avec ce type de leurre, vous allez pouvoir prendre du brochet, du cendre, du black bass, de la perche quand elles sont sur les grosses proies. Et je pense que vous allez pouvoir vous en sortir très très bien. Et pour finir, le dernier produit, c'était un finesse. Oh, encore un finesse. Ben oui, il faut sortir de ces sentiers battus. Le chat, ça fait pas tout. Le grub, ça fait pas tout. Le finesse, souvent, te sort des beaux poissons à des moments où ni le grub, ni le chat ne fonctionneraient. Donc, je te conseille d'essayer. C'est quelque chose qui marche très très bien. Tu n'es pas obligé d'utiliser la même technique que nous. Là, je l'ai armé avec la Heavy Strike Jigged qui était fournie avec la box. Mais tu peux aussi l'utiliser en whiteless, tu peux aussi l'utiliser en wacky, tu peux aussi l'utiliser en drop shot. Ça, c'est à ta guise. Mais ne négligez jamais un leurre finesse. Allez, on passe à l'animation. Donc, avec cette tête plombée qui est une tête plombée un petit peu jigging, on va dire, d'où le nom, on va pouvoir jigger le leurre. Donc, on va lancer. On va prendre contact avec le fond. Et là, l'objectif, c'est d'imprimer des tirées assez sèches, mais très courtes. D'accord? Comme ça. Vous voyez la pointe de ma canne. Hop, hop, hop. Et en fait, le leurre, il va se désaxer droite, gauche, droite, gauche. Et il va redescendre, se poser sur le fond. D'accord? N'hésitez pas à faire des grosses pauses. Ça va aussi pouvoir déclencher les poissons. Tac, tac, tac. Voilà, comme ceci. Pour moi, ça va être la meilleure animation. Après, tout ce qui est drop shot, finesse, whiteless, etc., texan, vous allez pouvoir aussi faire nager le leurre différemment. Et vous avez des coloris plus ou moins naturels qui pourront convenir à toutes les saisons et à toutes les eaux. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo. N'hésitez pas à le manifester dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Bye bye.